La semaine dernière, oui. Le général a fait un spécial, les TikTok qui ont fait nos vacances. Oui. Et j'ai reçu les appels de partout. Mon général, tu as oublié tel, mais on adore, mais on a toujours oublié tel et tout. Donc la TikTok sphère s'est affolée. Et cette semaine, j'ai envie de faire un spécial 237 Represent, parce qu'ils sont un peu sur TikTok, mes officiers. Ceux-là qui ouvrent la porte du 237 au monde, et beaucoup y entrent. Lui, Esthetic Mounaï, il ouvre la porte avec la tomate, et voilà, le monde prend. La tomate, regarde. La tomate, c'est celui qui... Voilà. Donc, c'est ton top 5. C'est mon top 5. Il a des idées. Hein. Il a des idées, mais lui, il a 800 idées par seconde. Ça va trop vite. C'est M. Kodel Nouissi qui ouvre le Cameroun parce que ça a été repris par le monde. On interdit de pleurer. Mais cette fois-ci, 800 idées par seconde, on regarde. Parce que j'ai 800 idées par seconde. Vraiment, petit frère, calme-toi. Je fais la vidéo parce que j'ai 800 idées par seconde. Vraiment, petit frère, calme-toi. Calme. Ben voilà, elle aussi, elle a des idées pour donner la lumière au 237. Et l'une de ses idées, enfin, qui a été par exemple aidée par TikTok, c'est ce filtre. Elle a carrément lancé le challenge filtre drapeau sur TikTok et ça a fait des problèmes de partout. C'est Béatrice Doudou. Mm-hmm. On regarde. Je vais aller quoi? J'ai pas encore dit quoi. Hein, c'est ça, c'est là. Tout est visible. C'est parce qu'on vous parle, c'est que oh, les Camerounais aiment se vanter, les Camerounais aiment se prendre la tête, les Camerounais. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas les Mimba. C'est nous comme ça, c'est nous comme ça. Oui, on est nous comme ça. On est que nés avec. C'est nous comme ça. Ça dit qu'on fuit même la star, Maga. Ça dit qu'on a déjà fui. On est fatigué. Ça nous suit seulement comme ça. C'est ce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, c'est seulement chez nous. On fait comment? On fait comment? Hein? Voilà même. Alors, ça va, alors, le challenge filtre est lancé. Et lui aussi, il a son filtre, mais son filtre est partagé. C'est un filtre d'amour, un amour divin. C'est Chomoloko. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très fort sur TikTok ce qu'il fait. On écoute son message qui a été repris par le monde entier. Priorité pour moi, c'est quoi? Franchement, chacun sa relation avec Dieu. Ne dis jamais qu'un homme ne prie pas. Tu me suis? Parce que la prière d'abord, c'est une réalité avec Dieu. Ce n'est pas une réalité avec les hommes. Ne montre pas à quelqu'un que tu pries. Parce que c'est pas important pour Dieu. Parce qu'on te dit que Dieu voit tout, Dieu sait tout. La prière d'abord, c'est en sincérité avec toi-même. S'il vous plaît, mon Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la grâce, c'est Dieu qui a le pouvoir, c'est Dieu qui a toute la détermination et c'est Dieu qu'on est celui qui prie vraiment. Parce que tu peux réciter notre Père qui joue, c'est vrai, c'est une récitation, tout ça on peut connaître, mais ça dépend de quel rythme tu récites avec. Voilà, donc son message était poignant et sur TikTok, ça a été vraiment beaucoup repris. Quelque chose c'est qui pas a été tous repris. Les jours que des thèmes comme ça sont pas, voilà, sur, voilà, donc le général a aimé. Quelque chose qui a été aussi très repris sur TikTok, c'est ce challenge. Voilà, elle s'appelle Darling et elle a lancé le challenge. Quand on vous dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà, c'est parti avec le challenge. Boum, boum, yo. Boum! Yo! Boum! Yes! Beaucoup de pays, je disais qu'ils sont nombreux les pays. Là, c'est le Cameroun, mais on a eu le Congo après qui a repris et tout. Donc moi, je vous reprends la semaine prochaine. Vendredi, merci pour ce fait! TikTok! Et tout de suite, si vous le permettez, on va dire merci à Mayer Event qui est là. Pour tous vos événements, ils sont à votre disposition. N'hésitez pas, si vous voulez le contact, c'est notre page, vous l'aurez d'ici quelques heures. À l'instant, on va partir, mais pas sans finir avec un blind test cancan, peut-être. Oui, c'est parti, un blind test.